3 minutes, 5 minutes, vous allez faire chauffer. Pourtant, si je mets 15, enfin, si je mets 4 minutes, il va me faire plus 5. Bah, je vous remercie. Madame, monsieur, cher Chapelet, cher Prendemet, je pense que le débat de ce soir est important. Monsieur le maire a plutôt fait un bilan de ce qu'il avait fait ou de ce qu'il aimerait faire. Monsieur Chaussat a plutôt fait un anti-bilan. Je crois qu'avant de rentrer dans le du sujet polynésien, je voudrais simplement revenir sur les défis en termes d'urbain et en termes d'aménagement qui se posent bien sûr à l'échelle de notre commune, mais plus largement à l'échelle d'une intercommunalité comme de la région. D'abord, où il faut lutter collectivement contre les inégalités sociales et économiques entre les territoires, entre les quartiers de notre ville. Combien de familles sont sans logement ou mal logées? Quel blocage au parcours résidentiel? Comment on contribue sur notre territoire à lutter contre le changement climatique, contre les pollutions de l'air, de l'eau? Comment on lutte contre le climat? Comment le développement économique prend en compte les dimensions formation, transport, environnement et de santé? Comment nous maintenons l'activité industrielle sur PSA? Comment nous faisons du développement économique sans manger des terres agricoles sur notre territoire? Comment on a du développement économique et des défis alimentaires? Et au-delà, sur le grand principe, comment on a du développement, terres agricoles et préservation d'un certain nombre de caractères? Comment vit-on mieux dans nos villes? Je crois que c'est ça le déjà que nous avons aussi posé ce soir. Et c'est à des échelles multiples et complexes que nous avons à réfléchir. Construire demande de la confiance. Confiance entre les élus.